Voilà. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans votre magazine Chez les artistes. Le magazine Chez les artistes qui reçoit pour vous les artistes. Nous parlons art dans ce magazine. Vous savez, la RDC, c'est une pépinière hein, en ce qui concerne l'art, la culture. D'ailleurs, il semblerait que le cordon ombilical de la culture africaine se retrouve en RDC. Donc, madame, messieurs, nous avons ce plaisir-là, une fois de plus, hein, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce magazine. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un artiste, d'ailleurs un habitué de ce magazine, Chez les artistes. Il revient ici parce qu'il y a une actualité. Il fait parler de lui, cet artiste, beaucoup de talent. J'ai l'habitude de le recevoir ici. Il va nous parler d'une grande rencontre, un grand événement qui se déroule à Kinshasa. Et c'est quoi cette rencontre? Vous allez sûrement le savoir dans les minutes qui suivent. Mais avant ça, chers téléspectateurs de Congo Web Télévision, laissez-moi dire merci, un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne chaque lundi, 16h. Freddy Kipimo, Alain Bodikango, Jitibamba, Guilou Koki, le grand culturel. Mais aussi à Yves Bidi, qui spécialement nous assiste aujourd'hui dans ce magazine chez les artistes, Yves Bidi des Hypoxy. Hein, la grande agence, c'est ici l'occasion aussi de saluer Jésus Noël Cheke, mon homo, hein, Bobo Samba, mais aussi l'époux des Minat, et là, donc Cédric Wassiama. Madame, monsieur, c'est des artistes, nous avons le temps de faire des dédicaces aux gens parce qu'on est détendu, on veut pas. Rapidement, sans plus tarder, je vais vous présenter Steve Bandoma. Bonjour. Bonjour cher ami Belédou. C'est un bail que j'ai pu passer sur le plateau de chez les artistes. Oui, parce que j'étais tellement bourré de beaucoup de choses et voilà. Et comme vous le savez si bien que je suis engagé vraiment à Très beaucoup de bien, choses. très bien. Il n'y a pas que l'art et la culture, mais aussi voilà, comme je l'ai souvent dit, j'ai plusieurs casquettes. Je suis artiste, social et aussi politique actuellement. Politique actuellement. Oui. Alors, on va parler beaucoup plus de tous les aspects, mais je commencerai d'abord par la présentation. Je crois que ça va être pour les téléspectateurs qui nous suivent. Petit hein, récapitulatif de ce que vous êtes. Steve Bandoma, un monsieur de court de taille, mais bourré de talent. Car Alors, dit-on, la vallée n'attend pas le nombre ah, voilà. d'années. Alors, c'était juste une introduction. Je vais commencer par vous présenter en tant qu'artiste. Vous êtes artiste. Oui. Vous êtes artiste plasticien, Oui. n'est-ce pas? Oui. Alors, en des termes clairs ou en des termes banals, passez-moi l'expression, chers téléspectateurs, peut-on dire que vous êtes aussi peintre? Oui, mais je n'aime pas trop me définir dans ces carcans-là de peintre parce que je fais plus que la peinture, ok? Donc je préfère me définir comme artiste tout court. Même pas Artiste tout court. plasticien, mais tout court parce qu'un beau jour, je pourrais me réveiller chanter comme j'ai Et pourtant, l'habitude de ce le que vous dire. faites, c'est de la peinture. Bon, C'est comme le faisait Picasso. pas seulement la peinture, donc je fais plus que la peinture, je fais les installations, je fais la performance pour ceux qui viennent dans mes expositions, ils découvrent, je fais la vidéo, je fais voilà, le dessin. Derrière la peinture, je le fais presque pas, je fais le dessin et beaucoup de choses. Donc je suis dans le champ de l'art contemporain. Donc c'est vrai que je m'investis plus dans les arts visuels, mais cela ne limite pas ma créativité. Un beau jour, je peux me réveiller, je fais le théâtre ou le cinéma ou la musique. Donc c'est ça un artiste, car actuellement dans les arts contemporains, les disciples ou le médium, c'est s'entremêlent. Très Donc bien. il y a échange de médias et voilà. Donc je respecte ceux qui sont simplement artistes peintres, mais moi je fais plus que la peinture. Très bien. Alors, dans la lignée, vous avez beaucoup d'artistes comme ça. Maître Dicky Songélé, je souhaite joyeux anniversaire en passant. C'est un grand frère que je salue en passant aussi. Très bien. Alors, vous vous êtes inspiré de qui pour faire ce que vous faites aujourd'hui? C'est-à-dire au Congo? Non. Moi, je veux pas de modèle au Congo. Pas de Donc, modèle au pas de Congo. modèle, pas de maître, pas de modèle au Congo. Je fais les beaux-arts, c'est vrai. Je finis, je suis allé ailleurs pour me professionnaliser davantage. Très bien. Et je me suis plus inspiré des artistes internationaux. OK? Pourquoi pas de modèle au Congo? Parce que vous trouvez qu'il n'y a pas de compétents?
Non, ce n'est pas ça la raison, c'est parce que, voilà, dit-on, le goût et le couleur ne se discutent pas. Très bien. Donc, moi, je n'ai pas trouvé le goût qui m'a plu ici au Congo. Donc, L'art que vous faites, ça quoi ça profite en termes d'intérêt aux Congolais? en termes d'intérêt, d'abord, ça profite à la nation congolaise. Comment ça? Parce que. Pourtant, dans vos expositions, c'est beaucoup plus les Blancs qui y vont. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que même la France aujourd'hui a pour sa fierté culturelle qui repose sur Mona Lisa. OK? Oui. Pendant que c'est une œuvre, une chef-d'œuvre qui venait de l'Italie à l'époque. OK? Mais aujourd'hui, ça profite à la France. C'est un patrimoine national. Donc voilà, tout ce que nous faisons, ce sont des patrimoines nationaux. C'est alors que, voilà, nos responsables politiques auraient dû maximiser là-dessus. Mais la preuve, c'est que vous êtes le Malheureusement, cadet des soucis c'est ça. dans le budget de l'État, la culture, c'est combien? 0,00. Par défaut de notre, voilà, notre mauvaise politique culturelle, nous sommes le cadet de ceci, comme vous le dites, ce qui est très triste parce que, à vrai dire, le redressement même de la nation congolaise dépend au préalable de sa culture. Le préalable congolais n'est pas politique, n'est pas social, c'est d'abord culturel. Un peuple qui ne connaît pas sa vraie culture, car dans la culture, il y a, ça regorge même la spiritualité. C'est pourquoi vous verrez le peuple chinois, ce qui s'est développé d'abord dans sa culture et sa spiritualité. Raison pour laquelle ils ne sont pas dissipés à tout vent de doctrine, voyez-vous. Très bien. Donc le Congo aurait dû d'abord faire recours à sa spiritualité, à sa culture, pour enfin redresser la nation. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Très bien. Donc voilà. Alors, Steve Bandoma, je rappelle que j'ai sur ce plateau Steve Bandoma. Steve Bandoma a beaucoup de projets en chantier. D'abord, quoi de neuf? Et puis plus rien. Après UDAC. Et puis un chapelet des bonnes intentions. Je ne sais pas. C'est à vous de nous confirmer. Merci, Et merci. aujourd'hui, tu nous amènes à notre projet, finalement. Oui, merci parce que j'ai dit j'ai plusieurs casquettes en tout, je l'ai Très dit bien. et je me cache pas. Ok. Ok. D'abord, Quoi de Neuf s'était converti à UDAC parce que Quoi de Neuf était l'unité qu'au niveau culturel. UDAC est plus social car c'est l'union pour le développement des artistes et citoyens. Ça Très bien. engage Alors, la puisqu'on en parle, citoyenneté. parlons-en. Ça engage la citoyenneté. Union pour le développement Développement des des artistes artistes et citoyens. et Ça citoyens. engage la citoyenneté Très bien. au-delà de l'art. Ok. C'est une structure dont vous êtes initiateur, C'est une coordinateur. ASBL, qui commence déjà, qui voilà, c'est Quoi de Neuf qui s'est converti à l'IDAC, et voilà. Donc on a tous les objectifs de Quoi de Neuf qu'on a ramené à l'IDAC, mais avec une grande vision. C'est quoi la vision, La cette grande vision, vision? c'est d'accompagner la culture et les artistes pour le développement et beaucoup de choses, y compris la citoyenneté qui est censée aussi de prêter intérêt à l'art. Mais pourquoi ne pas créer une structure simplement qui intéresse les artistes, mais plutôt vous associer artistes et citoyens. Parce que les artistes ne sont pas citoyens, selon vous? Oui, parce que étant artiste de surcroît, je n'aime pas. Je préfère inventer la roue. C'est vrai que c'est audacieux, mais il faut le faire. Très Donc, bien. le monde aujourd'hui a besoin du nouveau. Donc, c'est une structure qui n'a peut-être jamais existé au Congo, mais il faut oser, il faut le faire. Donc, car je me dis, bon, voilà, l'intérêt de l'artiste est l'art, il faut le vulgariser. Et c'est le citoyen qui est censé consommer l'art. Sous d'autres, si vous verrez des jeunes comme vous et moi, noirs, en Afrique, qui entrent dans des galeries et qui achètent l'art au prix de la galerie. Ce sont de jeunes nobles épanouis, pourquoi pas ici au Congo. Voyez-vous, ce sont là des visées auxquelles nous poursuivons Très bien. dans UDAC. Donc c'est un peu ça. Alors, vous avez dit au début de l'émission, aussi politique. Steve Bandoma, politique, c'est-à-dire vous êtes artiste engagé, puisque ça se développe actuellement. Hein. C'est vrai Il y a que. une tendance de journaliste engagé, artiste Oui. engagé. Finalement, qui êtes-vous? C'est vrai que pour Vous ceux qui êtes. me suivent déjà, ils savent souvent mes expressions. Je suis un artiste engagé, je ne le cache C'est-à-dire. pas. C'est-à-dire, Vous êtes au même la style. politique me rattrape dans mon art, dans mon expression artistique. Souvent, je traite de sujets politiques, sociaux, et voilà. Donc, Donc, la structure UDAC oui. est créée avec des ambitions politiques. Non, pas du tout, loin s'en faut. UDAC se veut social, et voilà. Ça n'a rien à voir Avec des avec mes ambitions politiques. ambitions personnelles à moi. Voilà, Steve Bandoma sur ce plateau, chers téléspectateurs. Pas d'image, d'illustration, beaucoup plus de discours aujourd'hui. On va s'habituer avec cet élan. Steve Bandoma, l'actualité aujourd'hui, ce n'est pas vous, que je sache, à moins que vous ayez quelque chose de nouveau à nous dire sur ce plateau.
Oui, je suis Ça là fait quand surtout. même un bail, hein. On veut entendre du nouveau sur le plateau. Bon, c'est ça. Derrière le fond d'écran, il y a une image, que je crois que les régisseurs Frédéric Kipimo va le signaler tout à l'heure. C'est quoi l'actualité? Bon, c'est vrai, il est vrai que surtout vous, le média, quelquefois vous nous invitez, et même quand on n'a pas l'actualité, bon, je préfère pas faire ça. Très bien. Je préfère être là, En sur temps utile. plateau. Attends, est-il? Mais voilà, c'est pourquoi je suis là. Donc, parce que nous lançons un grand concours des arts visuels, Concours les arts CFAO, du beaux-arts. jeune talent. Concours CFAO, jeunes talents. Voilà, C'est 2018. quoi l'idée? C'est une première édition lancée par la CFAO. L'idée, c'est Une de publicité gratuite, promouvoir. d'ailleurs. Bon. Peu importe, mais je suis un Allez-y. habitué de votre plateau Allez, quand même. allez-y. Accordez-moi d'annoncer cette nouvelle. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Donc, concours CFAO 2018 pour jeunes talents des arts visuels. Pour tous ceux qui nous suivent, si vous avez, je ne sais pas, un frère, une sœur dans la famille ou dans le quartier qui est très talentueux, doué à l'expression artistique plastique, dans les arts du beaux-arts, le dessin, la sculpture et tout consort, vraiment, il faut lui porter cette information parce qu'il y a un concours qui s'élance par la CFAO avec comme voilà comme premier prix 2 500 dollars 2500 américains dollars. et deuxième prix 1 500 dollars et dans ce concours je fais partie du comité de juges. Il y a entre autres, s'il faut que je cite le nom, il y a le professeur Yoka de l'INA Limoudaba. qui est parmi les juges. Il y a Henri Calama, le DG du Beaux-Arts, qui est parmi les juges. Il y a mon grand frère artiste Freddy Timba, grand frère et ami Freddy Timba, qui est parmi les juges. Et voilà, il y a Francis Mampouya, qui expose d'ailleurs à Bilembo Très bien. bientôt, c'est samedi, qui est parmi les juges. Et voilà, il y a Mika, il y a Mani Bodo. Donc nous constituons le comité de juges. Et le concours est éligible à ce concours. Tout celui qui a moins de 30 ans et voilà, congolais, et il peut soumettre deux œuvres, au moins deux œuvres à l'espace Bilembo Très bien. à partir du 3 au 4, donc dans quelques Dans quelques jours. jours. Ok, donc nous allons siéger pour juger Très bien. les œuvres des artistes. Et voilà, pour tout ça, pour plus d'informations par rapport à cela, il suffit d'aller au site Bilembo, donc à Texaf Bilembo. Donc, parmi les partenaires, il y a Texaf Bilembo, il y a Les Arts, il y a Angalia Galerie qui est en France, qui évolue en France, qui est partenaire aussi, qui organise, et la CFAO qui a mis le prix en jeu. Alors, cette question, il existe à Kinshasa plusieurs marchés où il y a des artistes beaucoup de talent. Je prends l'exemple de juste vers le jardin botanique de Kinshasa. Il y a tout un marché là où il y a des artistes bourrés de talent qui font de l'art. Pourquoi ne pas aller tout justement vers eux et prendre ces artistes que vous, la plupart d'artistes comme vous, le considérez comme des artisans? Pourquoi ne pas leur donner une chance, puisqu'ils font du travail chaque jour, Mais plutôt que de... oui, le domaine des arts, c'est un domaine très hermétique et c'est vœu critique, ok? Et raison pour laquelle il suffit pas de beaucoup travailler pour devenir forgeron dans ce domaine. Aujourd'hui, l'art implique une dimension intellectuelle, ok? Donc, ils sont d'office Et exclus. non, ils sont pas exclus. Raison pour laquelle je suis là pour lancer cet appel. Très bien. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on pourra découvrir à l'espace de zoo. Comme talent, on ne sait jamais. C'est pourquoi c'est un concours qui est ouvert à tous. Et c'est maintenant leur travail qui va, Alors, voilà, le défendre. l'étudiant qui fait les beaux-arts, qui peint, est concerné. Concerné, il suffit d'avoir moins de 30 ans. Donc Moins de 30 voilà, ans. parmi les critères Celui qui n'a jamais été d'éligibilité. dans une école d'art, il est à la maison, mais il Les décide, autodidactes sont les autodidactes. concernés car l'art ne dépend pas de la formation académique. On est artiste, on ne le devient pas. Très bien. Donc j'ai souvent l'habitude d'en parler. Et souvent même les autodidactes se défendent mieux parce qu'ils n'ont pas subi quelconque influence de maître. Donc nous sommes ouverts à tous. Il suffit d'être congolais et être âgé de moins de 30 ans.
Et voilà, si vous avez deux œuvres moyennes de support plastique, amenez-les-nous à partir du 3 mai et le 4 mai, donc ces deux jours-là, à partir de 10 h à 15 h, donc à l'espace Texaf Bilembo, aux côtés de l'ambassade de la France, Très bien. vers Sossimat, avant Cali, donc il y a l'avenue Marie-Ange Loukiana, vous verrez l'espace Texaf Bilembo et vous verrez vous-même l'affichage du Alors, sûrement concours. jusqu'à la fin de l'émission, vous allez passer les contacts. Alors, cette question, celui qui organise un concessionnaire. Alors, et comment expliquer ce mariage entre les concessionnaires et les artistes? Moi, je pensais plutôt à un événement du genre une course, rallye, les Kinshasa, Non, Matadi. c'est non. Et cette corrélation, ça se fait comment? C'est ça le problème, c'est Un parce que concessionnaire américain. notre politique culturelle du pays est vraiment, comme on l'a dit, dans les oubliettes, c'est les C'est d'abord cadets de quoi? C'est soucis. quoi? Savoir quoi C'est l'objectif? les cadets de Faire la soucis. publicité du concessionnaire de Non, non, véhicules? non, 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 non. C'est la CFAO. Le souci, c'est parce que la CFAO veut Vous citez très bien, c'est dans sur mon plateau. soutenir les artistes, Oui. voyez-vous. Donc, il a ce souci, elle a ce souci. Elle veut L'objectif majeur, c'est ça. L'objectif majeur, c'est de soutenir les artistes, les accompagner. Très Donc, bien. ce sont de jeunes talents de moins de 30 ans, comprenez-vous, qui ne sont pas encore assez professionnels. Ils sont à cheval, peut-être entre l'académisme et le professionnalisme, ou entre les ateliers autodidactes Très et le bien. professionnalisme. Ce sont de jeunes qui ne sont pas encore sur le marché international. Voyez-vous, donc on leur veut leur donner la chance d'émerger, car il y a des talents bourrés au Congo, vous venez de le dire au début de l'émission. L'Afrique serait, voilà. Alors, Le Congo plutôt, oui. César qui sont exposés, le fruit du travail de ce jeune-là, ces différents jeunes, qu'est-ce que votre jury ou l'organisateur va faire de César-là? Est-ce que ce n'est pas pour aller revendre, utiliser, s'enrichir derrière les dos de Non, ces jeunes gens? c'est pas ça le souci, parce que déjà à leur niveau, quand on leur dote d'un prix de 2500 dollars, voyez-vous, il y a beaucoup de jeunes qui ne vendent pas au Congo. C'est pour leur donner l'occasion d'acheter le matériel et produire davantage et pourquoi pas orienter, parce qu'ils vont nous rencontrer. Nous sommes des artistes déjà internationalement établis, Très bien. s'il faut le reconnaître. Et ce sera l'occasion de nous rencontrer aussi. Et que à partir de là, ça sera le débouché de beaucoup de choses, de contacts au niveau professionnel, au niveau à l'étranger, voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui vont s'en suivre comme avantage pour ces jeunes. Donc voyez-vous. Alors, je veux dire à Freddy Kipimo, qui réalise l'émission, d'être attentif. Des fois, quand Steve Bandoma a la parole, je ne comprends pas pourquoi la caméra reste braquée sur moi. Donc, c'est le travail du réalisateur que je fais tout à l'heure là. Steve Bandoma, vous êtes membre du jury. Maintenant, parlons-nous un peu de comment ça s'est passé, les critères de recrutement des membres du jury. Bon, moi personnellement, j'ai été sollicité par la galerie Texaf Bilembo et en partenariat avec Angalia, parce que dernièrement j'ai fait l'exposition avec eux Très et bien. ils reconnaissent ma compétence et voilà. Et ils ont jugé bon de choisir aussi les autres amis artistes et Et qu'est-ce que vous aussi. avez à gagner quand vous allez Nous, dans des genres de on ne rencontres? gagne rien parce que nous battons de notre manière, quand bien même abandonnés par la nation. Voilà, voyez-vous, on fait des choses, voilà, on est le cadet de soucis, voilà, des gens qu'on l'est. Mais on essaye de frayer notre chemin parce que ce que nous produisons, comme je le dis, ce sont des patrimoines nationaux. Okay? Donc moi, c'est pourquoi une des raisons, mais je lancerai même un appel au patron congolais. Moi, aujourd'hui, j'incite le patronat congolais à acheter les œuvres d'art congolais. Mais aussi, il faut savoir quoi acheter. C'est pour l'investissement. Voyez-vous, moi, je connais les hommes blancs, beaucoup de richissimes, des archi-millionnaires d'ailleurs, qui vous achètent, qui vous investissent pas seulement sur l'immobilier ou à la banque, mais aussi dans des collections d'art privé. Mais nos patrons ne sont focalisés que sur l'immobilier. Alors, d'où ces genres d'initiatives encouragées d'ailleurs? Alors, la première édition s'est faite à Kinshasa, mais la RDC n'est pas que Kinshasa. Oui, la DRC, c'est pas Kinshasa, c'est ouvert à la RDC.
Le concours se passe ici, mais même celui de Matadi, de Lubumbashi. Ah, il y aura d'autres éditions à Matadi? Non. Même pour cette édition, celui qui est à Matadi, qui nous suit à Lubumbashi, bon, malheureusement. Avec les 2500 dollars, payer les billets, d'avion. Non, venir, il ne suffit pas d'être là physiquement. Il peut envoyer, ok. Il peut envoyer. Il suffit d'aller dans le site de texafbilimbo.com, ok. Vous pouvez envoyer votre soumission de projet. Vous pouvez soumettre le projet et vous envoyer. Malheureusement, le transport ne pas soutenu. Ok, parce que c'est une première édition et les moyens sont limités. Alors, combien d'artistes au total sont concernés? Non, c'est ouvert à toute nationalité congolaise comme artiste et jeune talent. Mais on n'aura que deux prix. Le premier prix qui... Et pour tous les autres, pas d'encouragement, rien? Non, c'est déjà quelque chose. Il faut le commencer quelque part, d'aussi longtemps que c'est une initiative qui ne vient pas du gouvernement congolais, voyez-vous. Alors, de temps en temps, quand j'échange avec toi, tu reviens sur le gouvernement congolais, le gouvernement congolais. Alors, est-ce que les artistes à eux-mêmes, vous les artistes, vous avez une perspective pour déclencher un peu, pour que la culture profite aussi à l'État? Bon, on se fait des projets de manière isolée. D'abord, comme... la plupart d'artistes boycottent la Sokoda. Oui. Tout ça, c'est l'ingérence. L'ingérence et la corruption qui n'encourage pas aux artistes d'essayer de s'affilier. Même moi-même. Pourquoi n'est pas aussi dans ce genre de rencontre inviter ces jeunes artistes à aller s'affilier, par exemple, à la Sokoda pour se protéger? Oui, on encourage le pays, bien sûr. On encourage plutôt le peuple à faire ce genre de choses. Mais aussi, il ne faut pas oublier, car dit-on, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Déjà, quand il y a le climat de la corruption au sein de la Sokoda ou des entreprises... Vous êtes artiste, Renaud Desrénaud, quand vous dites ça, c'est que vous avez une petite expérience de... Oui, bien sûr, j'en ai une petite avec expérience. Avec notre Kouloutou, d'ailleurs, que je salue en passant. Oui, voilà, c'est pourquoi il faut revoir la politique, le déroulement de la politique culturelle du pays, parce que ça n'encourage pas les artistes et aller s'affilier, voilà. Moi-même, je ne suis pas dedans. Ça n'encourage pas. C'est pourquoi je préfère faire mes projets à part entière, voilà. Vous, en tant qu'artiste de renom national et international, aujourd'hui ministre de la culture, puisque vous aimez tant la politique, quel serait votre premier chantier? Oui, mon premier chantier serait éducationnel. Dans la culture, dans la culture, ministère de la culture. Oui, parce que les artistes africains souffrent dans le problème d'éducation, ok. Aujourd'hui, notre système d'éducation est erroné, c'est hérité depuis l'époque 60, voilà. Et les enjeux ont changé, les dons ont changé avec ce 21e siècle. Donc le problème de la culture, c'est un problème d'éducation, vous le reconnaissez. D'éducation. C'est-à-dire, C'est-à-dire, si la culture ne décolle pas, c'est qu'il y a un problème de culture. Oui, j'ai expliqué. D'abord, on a de mauvais chefs. Et il y a le climat de la corruption qui ne permet pas le développement de la chose, mais aussi le système est erroné. Pourquoi les artistes... La plastique apporte quoi au pays, par exemple, Steve Banouma, soyons réalistes. Mais comment... À part la musique... Comment... La musique congolaise exploitée partout. Non, parce que nous avons quel pourcentage d'illettrés, d'analphabètes dans ce pays? Comment voulez-vous qu'ils vous consomment un art aussi averti, aussi intellectuel? Donc nous sommes habitués au popularisme, ok? Comme l'autre musique, c'est du popularisme, c'est de, excusez-moi, l'expression vraiment de n'importe quoi. Mais nous sommes dans l'art de la qualité, l'art vraiment dit, voilà, conceptuel. Alors le premier chantier, ce serait l'éducation. L'éducation, mais dans quel système? C'est-à-dire, aujourd'hui, le monde a pris une vitesse de croisière. Une fois, plus vous m'avez posé la question, il y a souvent cette question qui me revient sur le plateau. Donc moi, mon souci, ce serait d'abord d'investir sur l'éducation en invitant même, ok, de cadres qui viennent d'ailleurs pour venir nous faire des ateliers. N'oublie pas que j'ai évolué dans un monde anglo-saxon. Eux, ils ont un système des ateliers d'un peu rapide, de formation à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc moi-même, j'en suis bénéficiaire. J'ai compris que ça marche. Si aujourd'hui, ça m'a ouvert un troisième œil critique parce que j'ai évolué dans ce climat-là, où il faut des ateliers, des formations, des artistes, ok, que ça soit dans n'importe quel domaine, la musique et tout. Pourquoi pas le conservatoire dans la musique et tout? Parce que l'éducation, c'est la clé de tout. Très bien. Alors, CFAO Jeunes Talents, la date limite des participations, c'est le 4 mai. Oui.
2018. Donc, du 3 mai au 4, à partir de 10h à 15h, les artistes peuvent amener au moins deux œuvres d'art à l'espace Texas Bilembo sur l'avenue Marie-Ange Lucana, côté de l'ambassade de France. Vous verrez l'espace Bilembo. Très bien. Et nous serons là pour accueillir les artistes. Il n'y a pas de critères par rapport au tableau que vous voyez oui. Les tableaux ne doivent pas aller au-delà de 2 mètres pour les tableaux peinture, mais nous sommes dans le domaine sculptural. Merci pour la question. Les installations sont permises, pourquoi pas. Les vidéos sont permises puisque nous encourageons. Les vidéos également nous sont encourageons permis. Donc le film. Bon, le film, mais pas le film classique, donc le film créatif, et le créatif, pardon, les vidéos créatives. Nous encourageons l'expression des arts contemporains. Voilà pourquoi nous avons mis tout ce médium qui répond aux critères de l'art contemporain. Donc il y a les installations et le maquette pour le maquettiste, pourquoi pas la peinture, même la photographie, et voilà. Pour les Baudouin du Coco, notre vieux Baudouin du Coco, il peut amener, donc les photographes aussi sont concernés. Photo, pourquoi pas, mais mon vieux Baudouin est déjà si âgé, plus de... Non, là on n'a pas d'âge. Il est invisible. Ici, nous limitons à 30 ans. À 30 ans, c'est voilà, donc, moi-même, je suis plus concerné. Voilà, donc, cher artiste, vous êtes artiste, vous avez beaucoup de talent. Venez, cette exposition au CFAO Jeunes Talents, ça sera le 4 mai. C'est Bandoma, les 4 mai. Oui, du 3 au 4 mai, amener les œuvres. 4 mai, donc ça reste ouvert. De 10h à 15h. Les dames sont concernées? Oui, si, pourquoi pas. L'équilibre de genre, tout est concerné. D'ailleurs, au Congo, on a un pourcentage très réduit, très moindre des talents artistiques féminins. Nous encourageons cela, donc voilà. Très bien. Steve Bandoma, à quoi dire des plus par rapport à cette rencontre? Est-ce qu'il y a un numéro de contact pour inciter les jeunes? Oui, par rapport au numéro de contact, on peut me contacter. Je vous donne d'abord sur le site. C'est le 243-0, donc le 81-87-85-072. Je préfère donner celui-là. Okay. Le 81-87-85-072. Texaf Bilembo. Très bien. Alors, la prochaine édition, ça sera quand? Bon, c'est une première. C'est une première et on sera informé pour la prochaine fois. Alors, votre concours au-delà du membre du jury, votre concours dans les festivals, dans cette activité, CFAO Jeunes Talents Bilembo. Qui êtes-vous à part membre du jury? Je suis un simple juge. J'ai été sollicité par rapport à mes atouts, mes qualités. J'ai été sollicité parmi les... Il n'y a pas une corrélation entre votre ASBL et... Non. Il n'y a pas une corrélation. C'est par rapport à, à ma carrière d'artiste. Et voilà. Alors vous, en tant qu'artiste, votre responsabilité, pourquoi n'est pas aussi dans votre structure, agence, multiplier ces genres d'activités pour essayer aussi d'encadrer la jeunesse? Oui. Pourquoi qu'est-ce que ça doit être l'émanation d'une autre structure qui n'a rien à voir avec les artistes? Oui, moi j'ai l'habitude. Ça doit vous interpeller aussi. Bien sûr, parce qu'on essaye de faire quelque chose sans soutien local. Donc voyez-vous, ce sont des étrangers qui viennent, qui nous reconnaissent. Connaissant Steve Bandoma, il peut débourser 2 500 $ aussi organiser un festival comme ça. Ça ne vous coûte pas la peau des yeux. Oui, je m'inscris dans la logique de la Bible qui dit même la main gauche quand elle donne, il ne faudrait pas que la main droite en sache quelque chose. Ce genre d'initiative, pourquoi aussi ne pas être promoteur de ce genre d'initiative? Oui, mais c'est déjà ce qu'on fait. Déjà, on fait beaucoup. On se donne. Là, je suis en train de le faire, mais je ne suis pas payé pour ça. Très bien. C'est du volontarisme. C'est déjà un apport énorme. Là, je passe à la télé par rapport à mon temps et tout, mais c'est du volontarisme. C'est pour le développement de la jeunesse. Donc, on contribue déjà beaucoup. Merci beaucoup, Steve Bandoma. Regardez cette caméra. Faites appel à tous ces jeunes qui nous regardent à partir de Massina, Kimbanseke. On a l'impression que ce genre de choses ne se font que pour les jeunes qui sont à Gombe. C'est ça. À Pakadjouma là-bas, chez Yves Bidi. C'est ça. C'est ça le vrai souci. Et même parmi les membres du jury, on le sait, moi je suis parmi les défenseurs de cette jeunesse oubliée, un peu marginalisée. C'est pourquoi je passe là à la presse, parce que je sais que vous touchez l'étendue nationale. Et je fais un appel à tous ces jeunes qui sont dans le milieu même reculé, venez tenter leur chance. Personnellement,
Personnellement, étant que juge, j'ai un souci de dénicher les talents. Et j'aimerais que ces deux prix de 2 500 $, de 1 500 $ soient donnés à celui qui le mérite ou à celle qui le mérite. Et parce que là, il n'y aura pas de corruption. Et comme à Ils viendront peindre sur place? Non, 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 ils vont amener deux de leurs œuvres. Mais s'ils si utilisaient les mercenaires et tout, comment est-ce que le jury va savoir? Bon, pourquoi ne pas demander à ces jeunes-là? Nous avons, étant que critique, un troisième œil et on saura. C'est-à-dire un troisième œil. Un troisième œil, c'est un œil critique. Ah, très bien. Donc, c'est un œil qui peut voir au-delà de ce qui est présenté. C'est là où intervient la sorcellerie de l'artiste. Peu importe. Merci, Maloma. L'émission est presque terminée. Quelque chose à ajouter avant de conclure? Oui, juste un appel. J'encourage la jeunesse. Donc, c'est une opportunité à ne pas rater. Moi, souvent dans mes émissions, j'atterris par l'encouragement de la jeunesse. Donc voilà, il faut vous documenter, il ne faut jamais se décourager. Il est vrai que le pays est ce qu'il est. Mais il y a un avenir meilleur et radieux à l'horizon. Voilà les initiatives qui commencent et nous sommes là, nous nous battons pour le bon déroulement de la machine culturelle. Voilà, donc jeunes Congolais, concours CFAO Jeunes Talents. Ce sera ouvert à tous les artistes congolais de moins de 30 ans. Donc vous êtes artiste, peintre, vous venez. Ça sera le lieu, ça sera où? Oui, ça sera l'espace Texaf Bilembo. Texaf Bilembo, dans la sur l'avenue Marie-Ange Loukiana, la côté juste après l'ambassade de France, après Petit Pont. Sur la Gombe, et vous avez l'ambassade de France, il y a l'avenue qui entre à droite, Marie-Ange Loukiana, vous verrez l'espace Texaf Bilembo. Voilà, et puis deux prix à gagner, 2 500 $. Texafrica. Dans la concession Texafrica, 2 500 $, le premier prix, et pour le deuxième prix, 1 500 $. Madame, Monsieur, ce magazine est terminé. Merci de votre fidélité. Merci également à Steve Bandoma. Nous espérons que les jeunes qui nous suivent ici viendront très très nombreux à ces festivals parce que d'ailleurs c'est bénéfique hein, pour ces jeunes gens. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne, merci à la supervision de Yves Bidi qui me regarde avec un regard de quelqu'un qui demande quelque chose. Hein. Alain Moulikango, Frédéric Kipimo, merci Steve Bandoma d'avoir répondu à notre merci invitation. Merci à vous très cher Beledo. Nous espérons recevoir l'invitation très prochainement pour la grande rencontre dans le cadre de l'UDIAC. Merci. À très vite. À très vite. Oui. Voilà. On se retrouve le vendredi pour la rediffusion et lundi prochain. Les rendez-vous, c'est du 3 au 4 mai pour le festival CFAO Jeunes Talents à l'espace Texaf dans la commune de la Gombe. Bye bye.